Je sais pas si... Évidemment, 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 évidemment. Bah oui, mon amour, ben voilà, ben oui, non, mais ça aurait été dommage. Et bien pour une fois, je vais commencer ma vidéo en saluant parce que je ne salue jamais mes vidéos et je ne dis jamais au revoir. Voilà, donc salut à tous. Nous sommes à la Woofest avec Tsuki. Parce qu'on n'a pas pris Sola parce que ça fait trop de chien, voilà, pour mon Sola. Alors que Tsuki, elle, elle adore. On va se régaler, on va un petit peu voir un petit peu comment ça se passe. Il y aura plein de tutos partout et on adore. Plein d'activités. On va tout essayer de regarder et on fera un petit compte rendu à la fin. Bye bye. Ah là, c'est le préf, hein. C'est un truc de fou, hein. Elle aime bien les beaux gosses. Voilà. Tsuki, elle a un problème, c'est qu'elle aime bien les beaux garçons, elle aime bien les grosses bagnoles et elle aime bien les magasins de luxe. C'est un peu nicheto, ouais, on a le droit d'aimer bien. C'est mon premier French kiss. Bravo! Team Tsuki, c'est là où tu vois l'humilité du bonhomme. C'est Team Tsuki, c'est pas Team Thibaut. Non, non. Comme je le dis tout le temps, je le répéterai, je vais encore dire monsieur là-bas. Quand on me demande ce que ça fait d'être célèbre, je sais pas, faut demander à mes chiens. Il y a du beau gosse. Moi, ça fait trop de statique, ma chérie. On y va? Je vais me poser dans un transat au soleil, avec la vue d'un château derrière, c'est ce que je veux dire, avec mon chien façon loup. Tu sais, ça fait vraiment... Bon, il y a que le t-shirt que tu perds un peu en crédit, mais bon, on va faire comme si, quoi. Quand le singe montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Si je l'ai dans les mains là, ça sent, je sens autour. Ah oui, Bonjour. Tu sais pas en fait si ça fait plus plaisir au chien ou au maître en fait, c'est ce que je veux dire. Parce qu'en réalité, toi là tu choisis ton truc comme ça en disant genre ouais ça ira vachement bien à mon chien, mais en fait toi tu visualises la tenue que tu vas porter avec. Tu rentres jamais dans un animaliste en espérant repartir bredouille. C'est un petit peu comme tu vas chez Ikea. Là, je suis juste venu dire bonjour. Tu sais, quand je te dis que quand tu rentres chez l'animaliste, c'est quand tu vas chez Ikea, tu vas pour une bougie, tu reviens avec un salon, bah tu vas là-bas, tu prends un truc, tu reviens. Bon, la moitié, c'est des cadeaux, hein, mais quand même. Maintenant, il faut que je retrouve ma chienne. Et ça va être autre chose. Là, il y a Tsuki, ici. Là où je me trouve. Et donc le but, ça va être de retrouver ma chienne qui, a priori, elle est pas... Oh, elle est pas partie super loin, en fait, hein. T'as la grosse flemmarde. Ouais, vas-y, va te cacher. Ouais, ouais, super. Je vais à 50 mètres. Je vais partir avec le bon chien. Mais qu'est-ce que vous faites avec mon chien, monsieur? Là, c'est sûr que là, t'as pas de GPS, t'as perdu ton chien, c'est galère. Elle est où, ma chienne? Ah, mais ils arrêtent pas d'avancer, aussi. Ah, ils sont là-bas, je les vois. Ah, je t'ai trouvé! C'est qui? Viens, papa, viens! Le vent ultime! Viens, papa, viens! Ah non, 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 non! Voilà! Je sais pas si... Évidemment, 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 bah oui, mon amour, ben voilà, ben oui, non, mais ça aurait été dommage. Je sais pas si je dois pleurer ou rire. Alors, je pense qu'il y a un peu des deux. Voilà. T'as pas envie de pleurer de rire, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est clair. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Ça va, ça va, ça va, ça va. T'inquiète pas, c'est pas grave ou pas? Ouais, oui, 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 il y a pas de raison de se fâcher. Voilà, bah ouais, 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 ouais. On va essayer de voir s'il y a pas de la flotte, hein. Ah, je suis content d'être revenu. Je suis ravi. Ah bah voilà, eh bah voilà, non mais voilà, voilà. Allez. Non mais il est où là? Moins, un peu moins Peggy la cochonne, elle fait un peu plus peau d'âne. Ouais. Côté un peu romantique, quoi. Désolé, ah merde. Je peux la lâcher? Ouais, ouais, vas-y. Désolé, vous pouvez la reprendre s'il vous plaît. Bah ouais, mais Il y
Genre toi tu l'emmènes limite, tu vois, brushing, pédicure, truc un peu propre, tu vois. Comment ça s'appelle déjà, je m'en rappelle plus. Néa. J'adore. Elle est un peu perturbée. Oui, tiens. Viens, Néa. Viens. Viens, ma belle. Oui, très bien. Tu veux pour vraiment que le chien soit fixé sur moi. Bah non, elle a fait sa souillon là. Je suis parmi tant d'autres. Non, elle a fait sa souillon, regarde. Ah ouais, non mais là. Boule de sanction. Allez, on continue, on visite quand même, on est là pour ça. Hein. L'année prochaine, peut-être qu'on fera une petite course, hein, mais me connaissant, j'aime pas courir. Et mes chiens non plus d'ailleurs. Si, pour me foutre des vents, à la limite. Non, pas toute seule, pas toute seule, pas toute seule. Voilà, merci. Au son. Mon Dieu, au son. Attends. Allez, on y va, mon cœur. Allez, ça suffit. Non, on se sert pas toute seule. On se sert pas toute seule. Quelle voix, t'as l'impression que... J'adore. J'adore. Réfléchir à l'achat de harnais. Moi, je suis comme une petite starlette dans, tu sais, rue de Rivoli. Oh, c'est beau. Fais ses courses. En fait, on la suit, hein. C'est le côté un peu GPS naturel, quoi. Tu vois, tu te laisses guider. D'habitude, c'est l'inverse, voilà. Mais là, pour une fois, tu vois, voilà, je laisse. On va encore repartir avec des trucs. Oh là là, vous êtes trop adorable. En plus, j'adore. Petit rose poudré. My favorite. Merci beaucoup, trop bien. Merci beaucoup. Là 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 là. C'est trop de bonheur, papa. C'est bon. On en fout les trois quarts à côté. J'aime bien. Et c'est ça qui est un petit peu assez incroyable, c'est que malgré la surprésence de la grande concentration de chiens, peut-être j'ai dû voir peut-être une interaction un petit peu tendue, et encore, je dis un peu tendue, voilà, c'est tout quoi. Là, ça marque quand même qu'il y a une ambiance quand même, qui est quand même assez agréable. Après, c'est aussi la responsabilité des propriétaires de ne pas emmener leur chien lorsqu'ils savent qu'ils ont du mal avec la forte concentration de leur congénère. Moi, par exemple, ceux-là, je sais très bien qu'une trop forte concentration de congénère à un endroit, il ne va pas être très à l'aise. Tsuki, elle adore, c'est pour ça que j'ai pris Tsuki et pas Sola. Sola, il est allé à un autre événement. Voilà. Il est allé à une doggy party. Voilà. Hyper classe, dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. Excusez-le, quoi. Ça va lui apprendre justement aussi à se gérer avec plein de chiens autour, parce qu'elle a tendance à être vraiment très... Elle adore ses congénères. Tsuki, c'est vraiment une fougère. Hein. Bonjour. Ouais. Elle a, voilà, c'est pour elle, le monde est un paradis. Hein. Elle s'appelle Tsuki aussi. On va jouer à Pretty Woman. C'est quoi ça? Oh, c'est super ça. Tu vois, là je prendrais bien un collier à pic. Tu vois, moi je suis pas très collier à pic pour les molosses, trucs comme ça, parce que je trouve que ça rajoute un petit peu trop de côté impressionnable à un chat qui l'est déjà suffisamment. Mais sur une chienne comme Tsuki, tu regardes. So fancy! C'est une lune. Pour Tsuki, c'est parfait. Hein. Faut que je laisse maturer un peu. Parce que moi sinon, je vous prends tout le truc. D'accord, donc en fait c'est des peintures qui sont faites avec les chiens qui les peignent en cherchant de la bouffe, c'est ça? C'est de l'art canin. J'aime bien les créations. J'aime les ateliers créatifs. Allez, on y va. Il y a peu de monde et j'aime bien. Tsuki,
ceux qui attendent une seconde. Oh bah t'as pas tout ça. Ça rajoute de la déco. Allez ramasser ce que t'as fait tomber. Voilà, pas la peine de crier, ça arrive. Je pense que tu n'es pas la première. Orange en plus. C'est une médaille. Ça suffit, Suki, ça suffit, putain. Regarde déjà, regarde, regarde à quoi je ressemble. J'en veux une, ça, moi. Donne-moi la médaille. On dirait un gamin, c'est comme dans les supermarchés qui se roulent par terre pour avoir de la bouffe. Je te jure, c'est incroyable. Voilà, c'est ça qu'il nous faut. Bon, on va voir si on peut pas y rentrer. Comme ça, elle va se laver tout franchement. Elle a craqué. Voilà. Tranquille, faut pas crier. Moi je suis quelqu'un de... ça sert à rien. Voilà. Suki a un problème de gestion des émotions, je vais vous expliquer. Ma chaîne elle est épileptique. Donc le problème si tu veux c'est que... elle peut avoir des moments où cérébralement ça peut un peu avoir les fils qui se touchent si je peux dire. Là elle s'est laissée déborder par les émotions dans la piscine et en fait comme la porte était ouverte, boum. Voilà, elle est partie, elle est pas allée bien loin, hein, elle va jamais trop loin, mais elle se laisse un petit peu submerger. Quand c'est comme ça, faut pas s'énerver, faut pas, ça sert à rien de lui courir après en hurlant, parce que si tu veux, ça ne fait que exciter encore plus l'animal, alors que ce que tu veux, c'est qu'il se calme, mais pour toi, il faut que tu sois calme. Donc c'est pour ça que quand les gens ils voient ma chaîne partir comme ça, ils me voient partir calmement, ils se disent « Ah mais en fait, ils sont fous ce mec-là », mais non, c'est faut que je reste calme pour que ma chaîne puisse se calmer. Résultat des courses, voilà, ça m'a pris littéralement 30 secondes de la récupérer. Donc pas de panique. Faut le savoir. J'adore aller boucher. Ouais, je fais une petite pause là, parce que là c'est la pause gastro là. D'ailleurs, c'est vraiment ce qui va m'arriver avec les mains, vu la gueule de mes mains. C'est la pause gastro. En fait, le problème ici, c'est que si tu prends pas à bouffer, t'as l'air con. Si tu prends à bouffer, t'as l'air peste. C'est mieux chiant, quoi. Elle est pas folle, hein. Elle sait que ce que je mange, c'est meilleur. Parce que sinon, je mangerais ce qu'elle mange. Non, déjà je te dis, je vais être malade avec mes mains dégueulasses. Là. Allez, allez se rouler dans la bouche de vache, je ne vais même pas laver les mains. Là, tu le sais pas, mais je le dis, mon estomac est en train de m'insulter. Ça, toi. Et là, fais le malin. Rigole, fais-le, voilà. Parle devant les dames, tranquille, toi et moi. On va discuter, tu vas voir ce qui va se passer. Voilà. Je vais te montrer comment ça se passe quand on ne me respecte pas. En fait, j'ai aucune espèce de forme de, tu sais, de... Voilà, je vais t'expliquer pourquoi. Voilà. Je vais t'expliquer pourquoi, en fait, tu vois, quand je mange et que là, j'ai pas de... Tu vois, regarde. Ah. Non, elle ne mange pas. Alors qu'elle elle en a bouffé 7 tout à l'heure. Là, elle le mange, mais vite fait, du bout des dents, tu sais, genre... Hein, ça va pas, non. Pourquoi? Il y a quoi? Il y a un truc sur le front? Donc là, on va partir parce que ça fait hyper dense, c'était vraiment bien. C'est magnifiquement bien organisé, l'ambiance est excellente. Il y a beaucoup de choix et pour se renseigner sur le Mont Canin, c'est vraiment génial. Donc, ils ont vraiment fait un super travail. Nous, on va rentrer parce que je suis assez fatigué, Suki aussi, parce que c'était très dense. Et donc, je vous invite à si vous avez l'occasion, à venir, vous allez voir, c'est vraiment top. On fait des bisous et merci à tous.